Merci d'être là parce que ça va être passionnant. Nous avons quatre points de vue très différents et pourtant qui proposent le même sujet, la formation. Aujourd'hui, au bout d'un an, ce n'est pas surprenant, mais le contexte du Covid a accéléré les formations digitales et à distance. En fait, elles étaient très attendues par les équipes, bien que le quotidien résistait à l'évolution entre le côté humain des formateurs, des ressources humaines, des employés. Aujourd'hui, tout le monde est derrière son écran, nous sommes la preuve. Ce que nous allons voir, c'est déjà une introduction avec Clément Leminck qui va nous présenter la digitalisation de la formation et ses deux principaux enjeux. Puis Nicolas Bassan nous parlera de l'humain au cœur des entreprises. Raphaël Grasset prendra le temps sur le passage à l'organisation apprenante. Et moi-même, je reviendrai sur les composants secrets d'une formation réussie. Nous prendrons un temps à la fin avec les questions et les réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au fil de la présentation. Adèle les notera et nous les redonnera petit à petit sur la dernière période. Et je passe tranquillement la main à Clément. Merci beaucoup Louis. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à tous ceux qui nous ont mis des petits bonjours dans le chat là. Content de voir que vous êtes nombreux pour assister à ce webinaire. Alors en deux mots, qui est-ce que je suis très rapidement? Moi je viens du monde des ressources humaines où j'ai travaillé à la fois sur des postes opérationnels chez Warner Bros. Tout comme stratégique chez Ubisoft. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis manager de l'écosystème de start-up du Lab RH. Lab RH, comme je vous disais en introduction, hein, c'est un écosystème qui va regrouper un peu plus de 80 entreprises et un peu plus de 250 start-up RH. Je suis aussi intervenant en master à l'IAU du STAFL à Lorth et puis jury pour des incubateurs et des accélérateurs. Et du coup, c'est fort de cet ensemble de qualité ou d'expérience que je viens vous parler de comment, selon moi, la Covid a pu révolutionner ou faire évoluer en tout cas la formation. Et tout ça va être tiré à la fois d'échanges que j'ai pu avoir avec des professionnels des RH issus des grands comptes qu'on accompagne, mais aussi de toutes les startups que je côtoie au quotidien et qui sont en plein dans cette transformation. Du coup, j'ai essayé de vous le représenter assez simplement. Et entre le Google Slide et le PowerPoint, le format n'est pas toujours le même, donc on a une accessibilité en deux lignes. J'espère que vous me le partagerez, que vous me le pardonnerez, pardon. Mais l'idée, quand j'ai réfléchi à cette notion de transformation, pour moi, il y a trois mots qui sont venus. Bah, il y a le premier qui est la digitalisation, je ne vous apprends rien. Et derrière cette digitalisation, il y a eu deux gros enjeux qui gravitent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite image. J'imagine la digitalisation comme sorte de planète sur laquelle on arrive, et puis ces notions d'accessibilité et d'engagement qui sont un petit peu les satellites qui tournent autour. Alors tout d'abord, la digitalisation. Commençons par le centre. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Bon, je vous apprends rien quand je vous dis que la Covid, ça nous a forcé à passer en fait au tout digital pendant notamment nos périodes de confinement. Et le digital, en fait, il est devenu quoi? Il est devenu créateur de liens. C'est-à-dire, on a tous passé notre temps sur Teams, sur Zoom, sur toutes ces solutions-là, Google Meet et autres, à échanger. Et en fait, c'est ce digital qui nous a permis de garder le lien. Ça s'est retrouvé aussi dans la formation. Et dans la formation, ça a notamment modifié totalement les attentes des apprenants. Une des premières modifications, un des premiers effets que ça a eu, c'est de tendre vers des formats beaucoup plus courts. On n'est plus sur des journées entières ou des demi-journées de formation. On est souvent sur des modules plus courts, mais qui vont se répéter plus régulièrement. Il y a aussi une exigence beaucoup plus forte de la part de ces apprenants. On parle de plus en plus de learning experience, de la même manière qu'on va avoir une expérience utilisateur, une expérience client, si je fais le parallèle avec le monde du marketing, le monde de la consommation. Et bien, on va parler de learning experience, on va parler d'expérience d'apprentissage quand on est apprenant, et c'est une expérience sur laquelle les apprenants vont être de plus en plus exigeants. Il y a pas mal de notions aussi qui sont nées quand on s'est mis à parler de digitalisation de la formation, des notions comme celle d'adaptive learning dont on parle de plus en plus. Qu'est-ce que c'est l'adaptive learning? C'est de se dire comment est-ce que je peux avoir une formation qui est adaptée à ma cible, à mes apprenants, c'est-à-dire selon le besoin que j'ai, ça va être la bonne formation qui va m'être poussée, et encore mieux que simplement la bonne formation au bon moment. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle le just-in-time learning pour continuer dans tous ces buzzwords anglophones. Encore une notion qui est née dans la digitalisation, c'est que le digital, ça a permis de donner en fait tout un ensemble d'outils à un maximum de personnes au sein de l'entreprise. Et
Raphaël nous parlera d'organisation apprenante et tout ce qu'il y a derrière l'organisation apprenante. Mais un des composants, selon moi, qui peut faciliter l'organisation apprenante aussi, c'est l'émergence de tous ces makers, c'est-à-dire ces collaborateurs qui vont eux-mêmes être créateurs de contenu potentiellement de formation pour l'entreprise, pour leurs collaborateurs et leurs collègues. Alors, je vais parler de deux notions qui tournent autour de la digitalisation. La première, c'est l'accessibilité. Cette accessibilité, elle doit se faire tant sur un plan technologique que pédagogique. C'est-à-dire, si la digitalisation, d'un côté, c'est un super levier pour apporter du contenu à un maximum de collaborateurs, bah, en fait, c'est aussi potentiellement un levier discriminant. Et là, je vais penser à deux populations particulièrement. Une première population qui est celle dont on ne parle que trop peu. On nous parle toujours des digital natives qui, eux, ont bien entendu aucun problème à s'adapter à ça. On parle trop peu des digital non-natives, de tous nos seniors qu'on aime beaucoup, et parfois pas que seniors. Ça peut être aussi des juniors ou des populations intermédiaires, mais qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, qui ne sont pas à l'aise avec ces outils et qui vont avoir du mal à apprendre et à les utiliser comme des leviers de formation. Une autre population qui est discriminée potentiellement, bah, ça va être toute la population de nos cols bleus. On voit une vraie différence entre col blanc et col bleu. OK, il y a certains métiers où la digitalisation de la formation, c'est aucun problème, parce qu'on est tous en télétravail avec notre laptop, ainsi de suite. Mais il y a d'autres métiers où, en fait, ils sont toujours sur le terrain. Ils n'ont pas accès à tous ces devices, à une tablette, à un ordinateur. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas d'adresse email dans leur entreprise, parce que ce sont des populations qui sont sur le terrain. Et quand on parle de plus faire de formation en présentiel, ben en fait, on parle de leur couper totalement l'accès à la formation. De comment travailler aussi, en fait, cet accès à la formation et permettre à des gens qui sont sur le terrain de pouvoir toujours se former sans se dire, c'est bon, on a du digital qui touche tous ceux qui sont en distanciel et on oublie totalement ceux qui sont sur le terrain et qui sont, si j'ose dire, sacrifiés. Alors ça, des solutions, il y en a plein. Hein. Et quand on parlait de just-in-time learning, il y a des exemples très concrets d'applications, de formations ou autres qu'on peut mettre directement dans des devices portables. On pense au téléphone portable, au smartphone qui ne nous quitte plus. On pense à la tablette, qui sont des choses qui sont beaucoup plus faciles à apporter sur du terrain et qui peuvent permettre d'avoir une alternative à la formation présentielle pour la période où on ne peut pas se permettre d'avoir des formations présentielles. Derrière cet enjeu d'accessibilité, il y a aussi toute la question de comment accéder à la formation, comment la consommer. On est habitué de plus en plus dans notre quotidien à avoir des applications pour tout faire, mais on se rend bien compte dans le monde du travail que c'est l'enfer quand on a une application pour se former sur tel sujet, une autre application pour se former sur tel autre sujet, une autre application pour poser ses congés, une autre application pour discuter avec ses collègues, une autre application pour discuter avec les partenaires externes de la boîte, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai enjeu d'essayer de mettre un maximum de choses dans un même outil, dans un même endroit, et ça, en entreprise, je me rends compte, ou en tout cas au cours de mes discussions, je me suis rendu compte que c'était un vrai frein qu'avaient pas mal d'entreprises quand ils ont mis en place une solution de formation digitale, mais une formation qui est dans un énième outil. Et en fait, les collaborateurs en ont tout simplement marre et n'utilisent pas l'outil à cause de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer, en fait, ces dispositifs de formation aux outils qui existent déjà? Enfin, je vous ai parlé d'accessibilité pédagogique. L'accessibilité pédagogique, pour moi, c'est aussi le bon format pour la bonne cible. Et en fait, ça me fait un super pont avec mon autre satellite, qui est celui de l'engagement. Si la formation digitale, elle nous a bien montré quelque chose, c'est que ce n'est pas du tout le même enjeu d'engager des apprenants à distance qu'en physique. Et c'est d'ailleurs le même enjeu aujourd'hui en webinar. C'est-à-dire, là, moi, je pense peut-être que vous m'écoutez et je parle, mais ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui viennent d'avoir un pop-up en bas à droite avec un nouveau mail, qui ont cliqué dessus et qui sont en train de répondre à un mail et où je suis juste un podcast dans leurs oreilles. De la même manière, en formation, comment faire pour captiver mes apprenants, pour s'assurer qu'ils suivent mon contenu, pour s'assurer qu'ils sont engagés et pour s'assurer, du coup, qu'ils apprennent quelque chose. Alors, j'ai plein de solutions par rapport à ça et je ne vais pas donner l'ensemble, mais si ça vous intéresse, et pour information, on a fait une infographie au lab avec pas mal de startups partenaires où on a donné des clés sur comment engager à distance. Je vous en donnais quelques-unes, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à la suite de ce webinaire et je pourrais vous partager cette infographie. Quelques-unes, du coup, de ces actions, ça va être avant tout, en fait, de favoriser une approche qui est pensée pour le digital. Faire une formation classique derrière une caméra, ça n'est pas digitaliser du contenu, c'est beaucoup plus que ça. Diversifier les méthodes d'apprentissage et adapter le format aux besoins des apprenants, c'est-à-dire savoir varier, en fait, l'outil et les formats qu'on prend pour pas, en fait, être dans une redondance,
Moi qui parle pendant 3 heures, c'est sûr et certain que je vais vous endormir et que vous allez faire autre chose ou quitter ce webinar. Donc, comment est-ce que je peux faire pour vous faire interagir aussi, ce genre de choses? S'inspirer aussi des usages du quotidien, et je vous parlais un peu plus tôt de l'expérience client ou utilisateur, ben comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça dans une approche d'apprentissage? Miser aussi sur l'attractivité des contenus avec des outils comme la gamification, accompagner les apprenants tout au long de leur apprentissage. Bon, plein de choses. Je vois le temps filer, donc je pourrais peut-être vous donner plus de clés au cours des questions-réponses, mais tout ça pour dire que la digitalisation de la formation avec de nouveaux enjeux liés à l'engagement, et si on ne fait pas attention à ces enjeux et qu'on essaie d'utiliser un contenu classique, si j'ose dire, on ne fera qu'aller droit dans le mur. Un petit mot peut-être sur le Lab RH avant de passer la parole à mes collègues. Je vous disais, on a un écosystème qui va regrouper des entreprises, des startups. En fait, on regroupe plein d'autres gens. On va aussi regrouper des labos de recherche, des écoles, des universités, des investisseurs, des éditeurs SIRH. Nous, notre enjeu, c'est de fédérer tous ces acteurs pour ensemble faire de l'innovation ensemble. Et ne serait-ce que sur la thématique de la formation et du digital, bon, en fait, on va avoir beaucoup d'acteurs. Et là, je vous donne un exemple. C'est une capture d'écran d'une cartographie qu'on a fait avec Conviction RH. Et vous voyez qu'autour de toutes ces thématiques de l'évaluation des compétences, du learning by doing, de la création, de la diffusion de formation, on va avoir tout un ensemble d'acteurs qui évoluent et de startups. Et pareil, si vous avez des enjeux spécifiques là-dessus, moi, je serais ravi de vous mettre en relation avec des startups membres du Lab RH. C'est tout pour moi. Et du coup, je passe la parole à Nicolas, pour se faire de ma part. Merci, Clément. C'est bon, vous m'entendez? Ok, merci. Merci beaucoup Clément pour ce talk. Donc moi, je vais vous parler d'Open Mind, qui est la société que j'ai cofondée il y a 4 ans maintenant. Nous, notre mission, c'est de développer des technologies qui vont aider les individus à trouver un équilibre entre le stress, l'efficience et la performance. On sait que la technologie peut avoir des effets délétères sur nos capacités cognitives ou sur notre organisme. On le sent d'autant plus en situation de confinement où on est très sédentaire. Mais peut-être qu'en y réfléchissant en amont, on peut designer et concevoir des technologies qui sont pour le bien des gens et des êtres humains. Donc, Open Mind, on a 4 ans, on a fait 4 ans de R&D. On a commencé avec des entrepreneurs qui viennent du think tank de Galion Project, qui sont des entrepreneurs dont le stress est le quotidien, et puis également des sportifs de haut niveau de chez Red Bull, donc des champions de surf, de snowboard, etc. Qui sont aussi soumis à des très fortes doses de stress. Si vous avez pu voir quelques vidéos de Red Bull, je vous les conseille, c'est très impressionnant. Donc, on a commencé à itérer nos prototypes avec eux. Depuis, on a publié 5 papiers scientifiques en collaboration notamment avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, avec qui on a travaillé sur des concepts comme l'empathie. Et donc aujourd'hui, on réunit une équipe d'environ 15 experts en interne, hein, qui sont salariés d'Open Mind, qui vont de chercheurs en neurosciences à des psychologues, en passant par des personnes qui viennent du domaine du jeu vidéo. Le problème tel qu'on le voit chez Open Mind, c'est le suivant. La santé mentale au travail, premièrement. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont connus, mais qui sont quand même importants de rappeler. 90% des salariés se disent stressés au travail. C'est un phénomène qui s'est accentué depuis 2020. Et j'ai des chiffres sur ma dernière slide que j'ai tiré de notre base de données qui vont un peu plus dans le détail de ces sujets-là. Faut savoir qu'il y a une personne sur 4 qui a risque de développer une psychopathologie au cours de sa carrière. Chez les entrepreneurs, c'est plus d'une personne sur 2. Alors, c'est pas forcément des sujets très légers et très fun, mais c'est des sujets qui sont quand même importants, pour lesquels il existe des solutions qu'il faut regarder en face. En parallèle de ça, la transformation et les sujets de transformation
sont en accélération constante depuis plusieurs années, à tel point qu'aujourd'hui, 76% des dirigeants considèrent la résilience et plus largement les soft skills comme l'enjeu numéro 1 pour 2021. Et ça, c'est tout à fait aligné avec un rapport du Forum économique de Davos qui s'appelle Future of Work, donc le futur du travail, qui estime que 50% des emplois en 2025 requièrent de nouveaux soft skills. Et donc, ces nouveaux soft skills par rapport à hard skills, quoi. C'est-à-dire que les emplois de demain vont plutôt se travailler sur des compétences dites humaines, comme la régulation des émotions, la gestion de son attention, etc., son empathie, plutôt que sur des compétences techniques qui évoluent très ou trop rapidement. Donc, quand on voit ces chiffres, la conclusion qu'on peut se dire, c'est que l'humain est plus que jamais au cœur des entreprises. Et donc, nous, on a pris cette expression au cœur des entreprises au pied de la lettre. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc, nous, chez Open Mind, ce qu'on a développé, c'est une expérience, une sorte d'odyssée intérieure en réalité virtuelle. Donc, on va vous plonger, grâce à la réalité virtuelle, dans différents environnements, des environnements de stress ou des environnements de relaxation. Et on va aller regarder comment vous vous adaptez à ces environnements. Donc, on va regarder comment vous vous adaptez à l'aide de petits capteurs qu'on va vous mettre sur le corps. Et l'idée, c'est d'aller regarder si votre corps, il se stresse quand l'environnement est stressant, si votre corps, il se relaxe quand l'environnement est relaxant. Et puis, si vous avez conscience de ça. On sait que c'est fondamental et c'est une compétence qui est très importante d'avoir conscience de quand est-ce que je suis stressé, quand est-ce que je suis relaxé. C'est en particulier ce qui va permettre de prendre des bonnes décisions, mais qui va également prévenir des situations d'épuisement comme du burn-out. On sait que les gens qui vont vers le burn-out, un des premiers symptômes, c'est l'écart qu'il y a entre le stress qui ressentent, que leur corps ressent, et la conscience qu'ils en ont. Donc ça va vraiment être le cœur de ce qu'on fait, c'est le stress. Et autour de ça, on va avoir une approche qui est holistique, c'est-à-dire qu'on va aller regarder grâce à des entretiens et à des questionnaires comment est-ce que autour de ce cœur, vous allez vous gérer vous-même, vous allez gérer votre environnement et vous allez gérer vos rapports aux autres. Et donc, tout ça, ça va nous permettre d'identifier des leviers d'action, des perspectives de coaching qui permettent d'accélérer le développement de soi, le développement de ces soft skills. L'avantage de la technologie, c'est qu'on peut aussi créer des sortes de jeux vidéo où vous apprenez en temps réel à vous réguler émotionnellement. Pour parler peut-être concrètement, on a plusieurs use cases dont je peux vous parler. Un premier use case, c'est avec un cabinet de conseil qui s'appelle Aiming, avec qui notre expérience en réalité virtuelle posait la première pierre, le premier jalon de leur formation managériale. Et donc, on allait avec leur manager au cœur d'eux-mêmes, hein, c'est le cas de le dire, pour aller identifier un petit peu leur profil, comment est-ce que eux géraient leur stress, quels étaient leurs challenges au quotidien. Et ensuite, on pouvait les orienter vers du coaching, soit individuel, soit de la formation, sur des sujets qui étaient pertinents pour eux. Donc ça, c'est le premier use case. Un second cas d'usage, c'est avec des comités de direction et plus largement des problématiques autour du leadership, où on va accompagner les équipes de direction sur la meilleure connaissance d'eux-mêmes au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'équipe, ce qui permet un meilleur partage, une meilleure cohésion d'équipe et donc plus largement une meilleure résilience au niveau de l'entreprise parce que on est à même de mieux se connaître et la science là-dedans, l'apport de la data, permet d'avoir un cadre qui facilite les échanges sur ces sujets-là, qui sont parfois un petit peu touchy, un petit peu difficiles à aborder. Un troisième cas d'usage, c'est on a travaillé avec Pôle emploi sur des environnements en réalité virtuelle, c'était en début de l'année dernière, pour faire de l'évaluation de soft skills justement. Malheureusement avec le Covid, on a dû mettre en stand-by notre premier produit et donc on avait anticipé à raison des produits plutôt digitaux et donc on a également une partie de notre offre qui sont des environnements en 2D qui se font en ligne sur des écrans pour faire de l'évaluation de soft skills et de l'orientation vers de la formation.
Je vous avais parlé de chiffres. Je vais vous les montrer un petit peu. C'est vraiment assez percutant, je trouve, cette période de Covid. Donc, ce qu'on a pu observer, on peut commencer par le graphique de gauche, c'est l'évolution de la gestion du stress sur la période de Covid. Donc, on a pris à partir de début 2020. Ce qu'on a pu observer, c'est que avant Covid, les individus géraient mieux le stress objectivement. Donc, on mesurait dans leur corps une meilleure gestion du stress. Mais par contre, subjectivement, on a l'impression de mieux gérer le stress depuis le Covid, ce qui n'est pas vraiment adéquat avec nos mesures. Donc ça peut être un petit peu délicat, un petit peu dangereux. Et puis, un impact que ça peut avoir. Alors, la qualité est pas terrible sur mon écran, je ne sais pas pour vous. Mais ce qu'on observe sur les graphiques de droite, c'est que la flexibilité a diminué avant, enfin depuis le Covid, tout ce qui est sur la flexibilité mentale. Donc là, c'est aussi bien sur les données qui sont rapportées par la personne que des données que nous on a mesurées. De la même manière sur la créativité, la production de nouveautés. Donc ce qu'on observe, c'est que globalement, toutes les notions autour de la créativité sont mises à mal par le Covid. Et c'est aussi ce qu'on a pu observer de manière plus qualitative, je dirais, avec nos clients. C'est-à-dire que le télétravail et l'incertitude va encourager des modes de management directifs, on peut dire de modes survie, comme vous voyez dans le titre de ma slide, qui nécessitent du coup une vraie prise de conscience et des vrais changements autour de la création d'espaces de créativité pour pouvoir justement s'adapter au monde qui évolue vite, à l'incertitude qui demande d'être très flexible, très adaptable. Et donc, il y a vraiment un équilibre à trouver entre ces domaines. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Je serais ravi de répondre à vos questions ensuite. Et après, je donne la parole à Raphaël, je crois. Ouais, excuse-moi, j'étais en train de répondre à une question dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Je peux avoir un petit pouce, là, les trois animateurs? Ouais, c'est bon, nickel, super. Bonjour à tous. Donc moi, je suis spécialisé en sciences cognitives. J'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois chercheur associé à l'Université Paris-Nanterre dans l'équipe de recherche en formation des adultes. Je donne des cours principalement au CRI, à HEC, à Paris Descartes, principalement dans les tracks de Learning Science au niveau master. Et j'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Trendy, qui fournit des services innovants en termes de pédagogie. Et donc aujourd'hui, je vais prendre deux casquettes sur trois. Je vais vous parler d'abord d'un petit projet de recherche qu'on a fait avec une association. Et ensuite, je vous parlerai de Trendy. Voilà, alors au début, je prends ma casquette de chercheur. L'association Sol France, Society for Organizational Learning, a créé, donc il y a une association qui a pour but en fait de chercher à comprendre pourquoi et comment les organisations apprennent. Donc c'est une centaine de personnes, à la fois des DRH, des coachs, des consultants, des entreprises partenaires aussi. Et il y a un peu plus d'un an, on a créé un chercheur collectif, c'est-à-dire qu'on s'est réuni à une quarantaine de personnes et on a voulu en savoir un peu plus sur cette question-là. Et il y a le Covid qui est arrivé, donc on a intégré ça. Dans notre recherche, on a fait une soixantaine d'entretiens avec des DRH, des responsables formation, ça allait de la PME au grand groupe de plusieurs milliers de personnes, donc on avait vraiment un beau panel, 60 entretiens entièrement retranscrits, et on a créé plusieurs livres blancs. Si jamais, donc là, je vais vous faire la synthèse en fait du livre blanc sur l'apprenance et la crise sanitaire, donc quel impact ça a eu. Je vais faire une petite synthèse. Si jamais ce livre blanc vous intéresse ou d'autres, n'hésitez pas à me contacter ou à me rajouter sur LinkedIn, je vous l'enverrai par la suite, il sera beaucoup plus complet parce que en 6-7 minutes, j'aurai pas le temps de tout dire. L'impression générale de cette recherche est assez positive et ça m'a rappelé en fait comment on écrivait crise en chinois. Donc les hanzi, les caractères utilisés, c'est le caractère danger et opportunité. Et c'était assez positif. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler plutôt des opportunités qui émergeaient de cette crise plutôt que de parler un peu de l'aspect négatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est en fait, j'ai repris un verbatim à chaque fois qui m'a pas mal parlé sur les différents sous-sujets dont je voulais vous faire part. Donc, par exemple, le besoin de lien. Il y a une personne dans la recherche qui disait « J'ai toujours su que le lien était au-dessus de tout, mais là, je l'ai vraiment vécu dans ma chair. »
Et donc, c'est assez intéressant parce qu'avec le numérique, on a vu que ça, parfois, ça affaiblissait à cause de la distance, du manque de spontanéité, la peur du Covid, principalement au début. Mais ça permet aussi de renforcer le lien au travers de l'entraide, de la réorganisation de la structure de l'entreprise. Et même certaines entreprises nous ont parlé, nous ont dit que la direction plaçait le lien au centre pour maintenir, en fait, justement, la dynamique de l'organisation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental qui s'est joué cette année et qui va, je pense, perdurer dans les changements. Un autre besoin, c'est le besoin d'humilité face à tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai une phrase qui m'a assez marqué, c'est « On a élargi le CODIR à des personnes qui nous semblaient clés pour pouvoir gérer cette crise ». C'est-à-dire que même au plus haut niveau, il y a une compréhension du fait que face à une crise où on ne sait pas ce qui peut arriver, bah parfois il faut savoir déléguer et dire qu'on ne sait pas. Donc c'est plutôt accepter la contrainte plutôt que d'aller à son encontre, accepter de ne pas savoir, et en particulier dans une société qu'on qualifie aujourd'hui de société de l'accélération, vous pouvez lire à ce niveau-là Hartmut Rosa, le philosophe allemand, et donc de se laisser porter, mais en même temps d'aller chercher de l'aide, parfois à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi parfois à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, donc plusieurs entreprises qui coopèrent. Un autre point, c'est le besoin d'agilité, très très fort. Là, ça révèle certaines personnes. Il y en a qui sont totalement autonomes, qui prennent les choses en main. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a des personnes qui se sont un peu écroulées, qui n'y arrivaient pas, et d'autres qui étaient complètement autonomes. Et ça, c'est vraiment quelque chose, les services formation se sont un peu sentis dépassés au début, et même dans l'avenir, vous avez dû voir le nombre de métiers qui allaient évoluer d'ici 2025, 2030, etc. Les services formation ne pourront pas prendre tout le monde par la main, quoi. C'est pas possible. Donc il faut que les collaborateurs soient de plus en plus autonomes dans leur apprentissage, et c'est ce qu'a révélé la crise du Covid. Voilà. Au niveau des opportunités, il y en a une qui peut être assez ambivalente, c'est le temps, l'opportunité de prendre du temps. Il y a quelqu'un qui disait « on a le luxe d'avoir trouvé le bouton pause dans ce système qui s'emballait et qui allait droit dans le mur ». Donc là, ça reparle un petit peu de la société de l'accélération dont je parlais précédemment, et ça souligne un petit peu l'ambivalence aussi, parce qu'on est dans une période d'urgence, mais en même temps, on a plus de temps disponible, mais en même temps, il faut faire une pause pour pouvoir se poser les questions de savoir où on va et où aller. Et donc c'est vrai que parfois ça peut être un peu schizophrénique, mais en même temps il y a certaines personnes qui ont réussi à se faire financer leur formation, qui ont pu retrouver le plaisir d'apprendre. Ça c'est ressorti aussi des gens qui disaient bah, moi j'avais pas le temps d'apprendre avant, mon manager me donnait pas le temps, et là j'ai redécouvert le plaisir d'apprendre. Donc qui ont pris le temps d'avoir une réflexion sur leur manière d'apprendre et d'apprendre à apprendre. Et donc là ça revient sur l'agilité et l'autonomie aussi que les personnes ont redécouvertes. Une autre opportunité, de faire évoluer en fait les manières qu'on avait de penser, de faire changer les schémas mentaux. Une des personnes dit « un des apprentissages de cette crise, on a appris à simplifier les choses ». J'ai trouvé ça très français. Y a beaucoup, c'est très en France qu'on va pouvoir dire ça, puisqu'on aime beaucoup complexifier les choses d'habitude. En fait, ce qui est basé, c'est que l'urgence implique le besoin de prioriser et de revoir les process pour les simplifier. Et ça, c'est un potentiel pour l'entreprise apprenante d'augmenter la valeur ajoutée de ce qu'elle propose en coupant un peu le superflu, de prendre le temps de réfléchir à comment elle peut ne travailler que sur ce qui a vraiment de l'importance, son cœur de métier. Et une dernière opportunité dont je vous parlerai aujourd'hui, après il y en a d'autres, je vous conseille de lire le livre blanc, c'est d'optimiser le système. La phrase que je vous citerai, c'est simplement le contexte qui était exceptionnel et qui a également mis en avant les insuffisances du système. Donc là, il y a eu une grosse réorganisation du travail, la place du management a été très questionnée. Comment on passe du manager, micro-manager, au facilitateur et au support, à la performance des individus. On a re-questionné aussi le focus des business units et la mesure de performance, et ça a aussi beaucoup mis en avant les inégalités sociales qu'il pouvait y avoir dans la société française ou autre, mais aussi à l'intérieur des organisations même entre les différents rôles.
Ce questionnement sur l'optimisation du système, il peut être assez dangereux. Donc là, vous aurez peut-être besoin de l'aide de Nicolas à ce niveau-là, parce que ça peut fragiliser un petit peu les individus qui vont se sentir vulnérables par rapport à tout ça, et peut-être un petit peu en danger, en fait. Donc là, on retrouve le signe chinois du mot crise, danger et opportunité. J'avais même pas fait le lien en préparant, mais je le retrouve maintenant. Donc voilà, cette manière de réfléchir à comment on va pouvoir faire bouger les choses. Mais je vais vous finir là-dessus sur une petite alerte. Il y a une autre phrase qui m'avait marqué, c'est « il y a une tentation pour passer à autre chose, de revenir à l'état précédent ». C'est-à-dire qu'il y a une homéostasie très forte. Une homéostasie, c'est dans un système, quand il y a les choses qui bougent, naturellement, elles vont essayer de revenir à leur état stable. D'accord ? C'est un des risques qu'on peut avoir à la sortie de cette crise. On a vu que les choses ont bougé, on a vu qu'il y avait besoin de liens, qu'il fallait investir sur le lien, on a vu qu'il fallait investir sur l'autonomie des collaborateurs, on a vu qu'il fallait donner du temps aux gens, qu'il fallait réinventer les schémas managériaux, mais potentiellement, on va vite retomber dans nos habitudes, et donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention à la sortie de cette crise. Et la dernière phrase que je vais tirer de ce livre blanc, qui m'a fait un peu rigoler, c'est « finalement, il n'y a rien de mieux pour apprendre qu'une bonne crise ». Voilà. Et donc, l'organisation apprenante peut tirer parti de la crise et devenir encore plus apprenante. Donc voilà, pour ça, c'est une synthèse de la synthèse du livre blanc. Donc, c'est très court. Je vous invite à le regarder si jamais ça a titillé votre curiosité. C'était un peu le but, hein, plutôt que de vous donner toutes les clés. Mais voilà. Et donc, il me reste encore un petit peu de temps, heureusement, et je vais donc vous parler maintenant de la société que j'ai montée, puisque, bien évidemment, moi, je retrouve, en fait, dans ces soubassements, en fait, les raisons de pourquoi j'ai monté cette société. Donc, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille en sciences cognitives sur comment aider les individus à apprendre. Et un des premiers produits qu'on sort, c'est un compagnon d'apprentissage en situation de formation et de travail, qui va venir accompagner l'autonomie, dont je parlais justement, et supporter la performance de l'individu. Donc ça prend la forme d'une petite application mobile qui a plusieurs modules. Il y a un module de profil où dedans on a des tests psychométriques qui vont permettre à la personne d'évaluer son profil d'apprenant et son profil cognitif. C'est quelque chose d'assez important puisqu'on voit que le changement comportemental en termes d'autonomie est induit à 30% par la prise de conscience de ses spécificités en tant qu'individu. Et ça, c'est en termes de, à la fois de comportement d'apprentissage, mais aussi de personnalité au travail ou autre. Et en plus de la prise de conscience, on accompagne aussi avec des challenges pour développer l'autonomie. Il y a un coach qui est une intelligence artificielle conversationnelle, donc qui va en fait aider l'individu quand il veut, H24, 7 jours sur 7, à gérer ses problématiques d'apprentissage, que ce soit en formation ou au travail. Le coach est designé pour à la fois aider la personne à trouver les réponses à ses problématiques concrètes, mais aussi à le guider dans des réflexions sur ses mécanismes plus profonds d'apprentissage. Donc il y a toute une il y a des conversations sur de réflexivité, donc pour aider par exemple tout ce qui est apprentissage en situation de travail, AFEST et compagnie, donc ils peuvent accompagner cet AFEST. Et en termes de support à la performance, donc là on a développé plusieurs IA qui permettent de supporter à la fois les connaissances déclaratives et procédurales, donc à la fois les mouvements, les gestes professionnels, les gestes techniques et les connaissances à avoir au travail. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ça, mais tout est individualisé à la fois au niveau personnel, donc par rapport aux résultats du test. Donc on a plus de 20 variables qui permettent d'évaluer le profil d'apprenant de la personne et tout le reste de l'application s'adapte à ça. On a une adaptation situationnelle, donc en fonction du contexte d'apprentissage de la personne, au travail, en formation, des adultes, des étudiants, etc. Et on a aussi une adaptation culturelle, puisque on envisage quelques partenariats avec d'autres pays, et donc on prend aussi ça en compte. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est d'aider l'individu à développer son autonomie. Et une fois qu'on a tous ces résultats, bien évidemment, l'entreprise peut les utiliser pour améliorer son ingénierie et sa stratégie pédagogique. Donc, dans le passé, j'ai déjà accompagné des grands groupes comme Société Générale ou BPCE à partir de résultats similaires à adapter leur programme. Donc, par exemple, en redesignant un programme talent, toute l'ingénierie pour s'adapter à la population spécifique qui était là.
Et voilà, donc ça aide à transformer l'organisation en profondeur sur le long terme et en même temps à mieux connaître ses apprenants pour s'adapter à eux. Et j'arrive à la fin de mon temps, donc je vais passer la parole à Louis. Merci Raphaël. Donc je suis Louis Mazurel, CEO de Splic. Et j'ai une triple expertise. La première, c'est d'être ingénieur pédagogique où j'ai manipulé plus de 14 savoirs et je les ai transformés en des cahiers d'exercices professionnels pour que les gens, pas à pas, intègrent leurs savoirs. Je suis aussi coach et j'ai aidé plus de 120 personnes en action ces trois dernières années. Et j'aide les gens à se débloquer au niveau de leurs émotions en tant que thérapeute avec mon cabinet sur Paris 9e. Et en fait, ces trois expériences m'ont fait prendre conscience que c'était vraiment le learning by doing en plan d'action, où on met les gens au cœur et au centre de toute la démarche. C'est pour ça que, en fait, une bonne formation de votre équipier sera réussie s'il a le bon savoir répété au bon moment. Les parents, comme vous me soutiendrez là-dessus, c'est que c'est vraiment uniquement que 10% de l'action, car il faut proposer après la bonne action sur le terrain pour que la personne sache quel est le bon geste et que neurologiquement, physiquement, par ses cinq sens, il intègre ce que c'est qu'il vive l'expérience. Après, c'est la bonne émotion interne à la personne, la joie de découvrir, le plaisir d'apprendre, et externe, de se sentir soutenu par son environnement et par les retours constructifs que pourraient faire le formateur, l'expert, le manager et l'équipier. Donc, souvent, quand on va en formation, on ne s'intéresse que qu'est-ce que va apprendre la personne. Et plutôt que de qu'est-ce qu'elle va apprendre, c'est plutôt comment elle va l'apprendre et comment elle va ressentir cette expérience-là. Et c'est pour ça que Nicolas nous parlait du futur avec la plupart des postes et des emplois seront dans la gestion émotionnelle. Et Clément nous parlait aussi du lien qui était le plus important pour soutenir les gens dans leur action. En fait, c'est simplement la psychologie qui a. Vous êtes fier de monter votre étagère Billy, comme tout le monde, et pourtant, c'est la même que tout le monde, et pourtant, c'est la vôtre parce que vous le faites. C'est pour ça que j'ai lancé Splic, c'est la plateforme des plans d'action, où en fait, vous avez le savoir qui est découpé en micro-savoir, pour que la personne puisse le mettre tout de suite en action et gagner émotionnellement des quick wins. Et il va être soutenu parce qu'à chaque étape, il va trouver une vidéo et des écrits et des supports qui vont pouvoir le soutenir émotionnellement. Ce qui vous intéresse là, c'est ce que je dis, mais aussi ce qui vous convainc, c'est l'émotion que je mets dans mon discours. Et c'est pour cela que j'ai proposé cette agglomération de tous ces petits détails. Et après, vous avez aussi l'environnement qui va pouvoir faire des retours avec un chat en bas. Et donc la personne, à chaque situation, pourra répondre par écrit ou par image ou par vidéo pour qu'il puisse s'entraîner dans les quatre sensations à réussir son apprentissage et à transmettre peut-être ses problèmes ou ses résistances à ses coéquipiers. Donc Splic, c'est une méthode en plan d'action qui permet de formaliser le savoir interne de votre entreprise pour le diffuser au nouveau sur les postes et que ceux-ci se l'approprient en toute autonomie directement sur le terrain de manière simple et surtout soutenante par l'équipe. Car à chaque fois, ce sont des émotions partagées. Une émotion ressentie avec la vidéo, une émotion d'avoir fait l'action, une émotion d'être soutenue par l'équipe. Donc, ce que vous avez vu là, en fait, c'est un écosystème dédié à l'innovation RH, avec un groupe d'échange et de coordination avec le Lab RH, une démarche immersive d'apprentissage avec l'Open Mind, une application de soutien individuel avec Trendy et une plateforme de construction de formation interne avec Splic. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous propose que nous passions à la période des questions et réponses
avec celle que a notée Adèle. Merci à tous. Ben, pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. En tout cas, les deux questions qu'on a eues, c'était celles auxquelles Clément a répondu et auxquelles Raphaël également a répondu relatif à son livre blanc. Donc, on laisse peut-être à nos chers auditeurs 5 minutes pour pouvoir formuler les questions. Je vois que sur la rivière, il y a une personne qui est en train d'écrire. Moi, j'en profite juste que la personne écrive pour parce que je commençais à répondre à la question dans le chat tout à l'heure sur les jeunes touchés différemment sur le stress pendant cette période et j'ai dû parler. Donc, je voulais juste partager mon expérience d'enseignant à l'université. Et moi, j'enseigne beaucoup à des étudiants qui sont parfois étrangers. 80% du CRI sont des étudiants étrangers. Il y en a beaucoup qui ont dû rentrer chez eux pour étudier. On a dû alléger tous les programmes parce que les étudiants étaient quasiment en burn-out. Donc, on a dû revoir tous les programmes de fin d'année pour les accompagner. Et donc, ils sont vraiment laissés, je trouve qu'ils sont beaucoup plus solitaires que les collaborateurs en entreprise. Les universités ont beaucoup de mal à accompagner les étudiants. Voilà, c'était juste le petit point supplémentaire que je voulais ajouter. Merci. Très bien. Alors, avant de formuler la question, je vais faire mon mea culpa à Aline et aux auditrices, parce que j'ai dit auditeurs, mais bon, c'était plutôt le générique, mais effectivement, c'est auditrices et auditeurs, mea culpa Aline. Donc, il y a une question de la part... alors, il y a deux questions, du coup. En fait, la première, alors, ce serait bien, en fait, de nous dire à qui elle est adressée, mais la question, c'est comment embarquer les salariés qui n'ont pas d'appétence pour le digital. Je ne sais pas si c'est plutôt pour toi, Clément, cette question. Ouais, je peux peut-être répondre parce que j'ai pas mal parlé de cette idée, un du digital et deux des non-digital natives. Donc je suppose intuitivement que la question est orientée vers moi, mais après, bien évidemment, n'hésitez pas à compléter. Pour moi, comment les embarquer, en fait, c'est, y a pas une solution miracle, hein, sinon ça se saurait et tout le monde la ferait déjà. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cette appétence pour le digital et comprendre la raison. Si c'est simplement que, par exemple, plusieurs raisons qui reviennent régulièrement, il y a la raison de j'aime pas le digital ou j'ai pas d'appétence pour le digital parce que c'est trop compliqué, c'est trop complexe, je n'y comprends rien, je n'arrive pas à l'utiliser, j'arrive pas à me connecter. Bon, on connaît tous ces enjeux-là. Pour moi, la solution sur ce degré de complexité, c'est du coup d'essayer de travailler à avoir des solutions et des outils qui soient le plus facile possible. C'est-à-dire, on a souvent tendance à s'orienter vers le plus gros, le mieux, le plus cher avec le plus d'options. Mais en vrai, mettez-vous à la place de n'importe qui. Quand vous vous connectez sur un outil qui a des boutons partout, des choses... Enfin, imaginez un tableau de bord d'avion. Faire très simple. Imaginez un tableau de bord d'avion. Je vous mets dans un cockpit d'avion. Il y a des boutons, des flèches, des lumières partout. On n'y comprend rien. On ne sait pas sur quoi appuyer. On panique. À l'inverse, si je reprends un vélo ou une trottinette, c'est beaucoup plus facile à comprendre parce qu'il y a beaucoup moins de choses. C'est-à-dire, déjà, un vélo, il y a différents niveaux de vélo, hein. Moi, je me souviens des vélos à l'époque. Il n'y avait pas autant de vitesse et de plateaux, etc., de trucs à tourner. Mais malgré tout, ça reste plus simple qu'un cockpit d'avion. Donc, essayons de faire la même chose sur les outils, que ce soit dédié à l'apprentissage, hein, à la formation, mais ou même les outils typiquement de visio, comme on commence là. Beaucoup de boîtes se sont tournées vers Teams, par exemple, au moment du confinement. Mais Teams, quand on ne connaît pas, c'est parfois un peu complexe. Il peut y avoir plein d'applications, il peut y avoir plein de choses à ajouter. Donc là, c'est peut-être un premier travail avec les administrateurs de l'outil au sein de l'entreprise pour désactiver les options qui ne sont pas nécessaires, où on n'a pas besoin que les collaborateurs aient accès. Et un second travail, ça continue, d'acculturation, de conduite du changement et d'accompagnement des collaborateurs sur l'appropriation de l'outil. Ça, c'est vraiment dans le cas des outils trop complexes. Après, il y a un autre type de résistance qu'on trouve par rapport au digital. Ce sont tous les collaborateurs qui vont dire « Le digital, c'est nul parce que le présentiel, c'est mieux et on ne peut pas faire en digital ce qu'on peut faire en présentiel. » Et là, ben, de nouveau, je vais me tourner vers les outils, non pas pour trouver l'outil le plus simple possible, mais pour trouver un outil qui me permette de me rapprocher le plus possible d'une expérience que j'aurai en digital. Et s'il y a bien une chose que nous a permis la Covid et pour laquelle on peut la remercier, c'est l'émergence de tous ces outils-là. Moi, à titre d'exemple, donc j'enseigne aussi par à côté, et typiquement, lors d'un cours avec des étudiants, je vais utiliser plusieurs outils différents pour faire plusieurs choses différentes. Par exemple, je vais les faire travailler sur un tableau blanc avec Klaxoon où ils vont pouvoir mettre des post-it, regrouper leurs idées, essayer de brainstormer ensemble. Ensuite, on va repasser peut-être en classe, en plénière pour donner du contenu. Puis après, ils vont travailler en sous-groupe
sur des travails de groupe qui vont de nouveau restituer en plénière. Puis ensuite, on va utiliser des outils comme Kahoot avec des questionnaires un peu gamifiés. En tout cas, c'est de montrer que ce type d'interaction qu'on aurait eu sur une formation classique avec des petits exercices, des petits ateliers, des post-it, etc., c'est tout à fait reproduisible en digital. Donc voilà peut-être deux clés pour deux types de résistances différentes qu'on peut avoir sur le digital. Je peux compléter, Clément, ce que tu dis. Avec grand plaisir. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je voudrais juste rajouter, parce que moi, donc, je travaille depuis quelques années avec, donc, il y a un modèle en recherche qui s'appelle Technology Acceptance Model. Donc, pour justement évaluer à quel point les gens sont OK pour utiliser ou pas la technologie. Et en fait, quand on regarde les données, j'ai une base de données avec des gens, ça va de 15 à 69 ans sur les dernières études que j'ai faites. C'est très difficile de prédire en fait l'acceptation de la technologie en fonction de l'âge. C'est un peu contre-intuitif. On se dirait les jeunes acceptent beaucoup plus et les vieux beaucoup moins. Et en fait, c'est pas aussi direct que ça. Donc c'est pour ça que par exemple dans le produit qu'on a créé, nous, dans le modèle qui évalue le rapport à l'apprentissage, on évalue aussi le rapport au digital pour pouvoir ensuite justement individualiser les parcours de formation par rapport aux besoins, mais aussi aux capacités et aux demandes des individus en fait. Donc c'est juste le point que je voulais faire, c'était de pas forcément faire de grandes schématisations de personnes en fonction des générations sur le numérique en tout cas. Voilà. Les données montrent que ce n'est pas si blanc et noir. Voilà, c'est tout. Mais je veux bien apporter ma petite pierre au débat. Nous, on fait notre cœur de métier, c'est vraiment de la tech avec de la réalité virtuelle, des capteurs. Donc, c'est quelque chose d'assez intense en termes de technologie. Et donc, pour le coup, pour embarquer les gens, alors il y en a qui viennent en courant, il y en a d'autres un peu moins. Et en fait, ce qui fonctionne assez bien, et je pense que c'est fondamental, c'est un mot qui est cher à Adèle, on parle plutôt de figital, c'est-à-dire un mix entre de l'humain et de la technologie. Et il faut bien que la technologie soit toujours au service de l'humain et qu'on ne force pas les gens à se plier à la technologie. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit un facilitateur ou une aide. Et pas une sorte d'obligation qui finalement irrite plus qu'autre chose. Donc pour ça, nous, on donne pas mal de conférences en amont. Par contre, on peut le faire en présentiel, on le fait. Sinon, en visio, c'est toujours ça de nos interventions. Et un point qui m'a été remonté chez nos clients, et ça l'est de plus en plus là récemment, ça devient un vrai problème, j'ai l'impression, c'est le manque... d'interaction un petit peu informelle au sein des entreprises qui fait perdre énormément capacité de communication, tous ces échanges en fait qui contiennent énormément de choses et même qui sont pas prévues. Et en fait nous là on va mettre en place chez OpenMind justement des temps spécifiques pour essayer de recréer ça. Alors c'est un peu artificiel, mais de toute façon on est dans une époque, on est dans un instant qui est quand même très particulier. Et donc, je pense que c'est vraiment important de prendre conscience que effectivement la distance et la technologie, même si elle a plein d'atouts, elle a aussi des défauts qu'il faut regarder en face, qu'il faut prendre en compte en essayant d'y remédier comme on peut, quoi. Parfait. Aline, je ne sais pas si ça a répondu en partie ou totalement à votre question, parce que vous aviez en fait deux réponses pas prévues qui ont aussi impacter la question que vous avez posée. Je voulais juste remonter un peu dans le chat. Je sais que Louis t'a répondu à la question de Leïla par rapport à l'émotion dans l'univers digital, en fait, comment rendre l'apprentissage un peu plus chaleureux. Est-ce que vous souhaitiez compléter à la réponse de Louis par rapport à cette question-là? En fait, pour moi, selon le regard de Splick, c'est vraiment... humaniser le savoir, faire transmettre un maximum d'émotions. Et on sait que dans un message, 60% c'est du corporel, 30% c'est dans le ton et 10% c'est dans le message. C'est pour cela que la vidéo devient un élément primordial et que par derrière, la personne puisse relire ce qui a été dit dans la vidéo et retrouver le support présenté dans la vidéo devient les actions secondaires. Mais vraiment... pourquoi nous sommes en vidéo? Parce que nous avons besoin de voir ces micro-signes qui font notre humanité. Tout à fait, et je me permets de compléter peut-être.
La vidéo, c'est un premier outil indispensable, je pense, quand on veut créer du lien et retrouver ce type d'émotion. Un second outil, bon, très classique, mais qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est prendre en fait les temps de faire ces temps d'inclusion en amont, en début d'une formation ou d'un call, hein, ou surtout si ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Donc là, des méthodes d'icebreaker d'inclusion, il y en a plein qui existent en ligne et ça se trouve assez facilement sur Internet en tapant. Et troisièmement, pour moi, un outil typiquement qui est de plus en plus utilisé dans la formation et plus largement hein, dans les ressources humaines. Et là, je vous renvoie vers les RH Hack le Digital qui ont fait leur dernière édition autour de ça, c'est la gamification. Et pourquoi la gamification? Je vous en parle quand on parle d'émotion. Parce qu'en fait, le jeu, ça crée de l'émotion. L'émotion, ça crée un ancrage mémoriel, en fait. Le fait d'éprouver des émotions quand on fait quelque chose, ça nous aide à nous rappeler de quelque chose. Donc, dans la formation, c'est hyper utile. Et essayer d'apporter cette gamification et cet aspect de jeu, c'est hyper utile. Alors, on peut l'apporter de différentes façons. Ça peut être directement penser la formation sous format de jeu avec une sorte d'aventure ou autre. Ça peut être utilisé. Hein, j'avais parlé d'un outil moi que j'utilise avec mes étudiants que je trouve très bien, qui s'appelle Kahoot. Kahoot, c'est tout simplement des questionnaires où on gagne des points si on donne les bonnes réponses et si on répond plus vite que les autres. Et en fait, ça aide énormément d'ajouter ces petits trucs en fin de session où c'est un petit peu la course à qui a le meilleur score et on voit le leaderboard de question en question évoluer. Voilà. Mais créer cette gamification, ça fait tout de suite l'émotion, elle revient. Les gens, ils rigolent, ils se challengent. Il y a un petit esprit de compétition qui vient et ça marche hyper bien. Très bien. Merci beaucoup, Clément. Les outils, c'est très bien, mais parfois, il faut aussi un peu revenir à l'humain et juste avoir un intervenant qui est passionné par ce qu'il fait, c'est déjà énorme, en fait. Je l'ai juste comme ça, c'est juste ce que je voulais dire parce que je le vois très bien en cours. Moi, au CRI, j'ai envie d'assister au cours des autres profs. Et ça, je me dis que c'est une bonne mesure en fait que de l'émotion dans la formation quoi. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Excuse-moi Adèle, je te laisse continuer. Non, c'était très bien. J'aurais pas dit plus. C'est très bien. Voilà. Il y a Laurent qui nous fait part que de sa réflexion qui est la transmission de la passion qui est la condition numéro un pour pouvoir réussir une bonne formation. Je sais pas si vous pouvez rebondir sur cela. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que transmettre, c'est au-delà, justement, parce qu'on parle d'outils digitaux, en fait, c'est un petit peu aussi pour faire le mix avec la question d'Aline. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez nos clients. Nous, c'est un petit peu cette saturation au niveau technologique. On est aujourd'hui, par la force des choses, on a notre ratio de réunions Zoom et autres. Est-ce que vous voyez, entre guillemets, la capacité de pouvoir justement suivre un cycle de formation tout en digital en ayant le même rapport ou la même capacité de concentration, de partage qu'en présentiel, par exemple? Là, je rebondis un petit peu parce que je pense que ça fait un peu lien avec ce que je disais juste avant. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a des bouquins qui sortent qui s'appellent 3, 6, 9, 12 sur à quel âge on peut commencer à donner quel niveau de technologie aux enfants et pendant combien de temps, etc., ça devient un petit peu flippant. Et effectivement, pour rebondir un peu sur la question d'Aline plus haut, sur est-ce qu'il y a des limites et autres, il faut des étudiants qui soient vraiment très autonomes. Et on le voit avec les MOOC. Les MOOC, les gens qui finissent les MOOC, c'est des personnes qui, en général, ont déjà un bac plus 5. Voilà. Les MOOC, il y a un taux de réussite de 10%, et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont déjà formés. Le MOOC, c'est une formation élitiste, en réalité. C'est pas du tout, aujourd'hui, le format dans lequel il existe n'est pas du tout adapté pour tout le monde. Donc, avoir des gens qui sont en capacité d'apprendre et qui ont justement savent réguler leurs émotions, la gestion de l'information, les demandes de feedback, toutes ces choses-là, c'est hyper important pour survivre au monde digital ou figital, qui peut justement être aussi une solution, comme le disait Nicolas, du physique et du digital, quoi. Voilà. Après, en fait, pour soutenir, c'est que le savoir, c'est une action personnelle qui, petit à petit, on va se tourner vers le formateur. Donc, c'est moi avec moi-même, puis moi avec quelqu'un, puis moi avec la classe, puis moi avec... enfin, ou le groupe de formation, puis moi vers l'extérieur, vers mes collègues, vers mes clients, vers l'univers. Et donc, en fait, toutes ces petites étapes vont permettre de construire la confiance en la personne. Et donc, le guide digital est un outil, comme dit Raphaël, mais le plus important, c'est l'émotion interne
l'envie, le désir, la volonté que ressent la personne d'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un formateur motivé qui a une vraie passion pour son savoir, puis après il se tourne vers ses collègues ou de formation, et aussi il crée cette émotion d'émulation d'équipe que parlait Clément dans le jeu, pour après se tourner et revenir dans l'entreprise, voire vers les clients, pour dégager cette émotion générée par l'habitude générée entre le savoir, le formateur et l'équipe. Très bien. Il y a Aline qui nous pose la question. Alors, j'ai juste un rebond d'une participante qui a fait qui a finalisé plusieurs MOOC sans avoir Bac plus 5. Bravo Aurélie. Donc, on peut juste l'applaudir. Cool. Aline nous pose la question de la formation qui ratisse la plus large. Est-ce que vous avez une idée d'une formation justement qui serait le je ne sais pas si c'est l'idéal. Okay. Si Aline peut préciser en fait la question, qu'est-ce que vous voulez dire par ratisser plus large, c'est-à-dire l'idéal de la formation ou celle qui a le plus de résultats? Enfin, je ne sais pas si vous arrivez vous à interpréter, Raphaël. En fait, là, il y a un problème, parce que est-ce que la formation, est-ce qu'elle veut des outils? Est-ce qu'elle veut un parcours? Est-ce qu'elle veut un savoir pour ratisser le plus large possible? Étant donné que nous sommes tous différents, le plus large possible, elle touchera entre 30 et 50, voire peut-être 60 personnes. Mais est-ce que c'est une formation d'une minute, d'une heure, d'une journée, d'une semaine, d'une année? Il y a tellement de paramètres, aussi bien dans le contenu que dans le contenant et dans la personne qui va utiliser ce contenu et ce contenant, que là, on est au niveau fractal. Ouais, donc... Pour apporter un élément de précision d'Aline, c'est lié au résultat et au nombre de personnes, c'est-à-dire toucher le plus de populations, en plus large de nombre de populations, mais aussi avoir des ratios de résultats plus importants. Ouais, je peux peut-être réagir. Je pense que c'est peut-être une erreur de se dire qu'une formation, enfin la formation la plus intéressante serait celle qui touche le plus de personnes. À mon avis, ça dépend beaucoup du sujet de la formation. C'est-à-dire, si je prends une formation à la sécurité incendie et à comment est-ce qu'il faut se comporter s'il y a un incendie dans le bâtiment, bon, c'est une formation où je peux former l'ensemble de mes collaborateurs. Est-ce que c'est la formation qui aura le plus de résultats pour l'entreprise, plus d'impact? Je ne suis pas convaincu. Si je prends une formation hyper précise sur un sujet ultra scientifique, typiquement pour faire écho à Nicolas, je me dis, bah tiens, je veux être capable, enfin, je veux former mes collaborateurs sur comment est-ce que je peux analyser des données biométriques pour en déduire, je sais pas, une réaction face au stress ou autre. C'est hyper intéressant, mais je vais peut-être former que 2-3 personnes dessus parce que c'est ultra niche. Néanmoins, si je m'appelle Open Mind Neurotechnologies, c'est crucial que je forme mes collaborateurs là-dessus, même s'il y a peu de collaborateurs. Donc, je pense que la notion de résultat et de nombre de personnes formées, en fait, peuvent varier grandement. Et en fait, il faut plutôt s'intéresser justement aux résultats et à quel est le bénéfice pour l'entreprise. Comment est-ce que ça sert à l'entreprise? Et en prenant cet enjeu et cette question largement. C'est-à-dire, parfois, former un collaborateur sur quelque chose dont il a le besoin, ça permet de fidéliser le collaborateur qui va rester dans l'entreprise, qui va être épanoui, qui va être plus performant, et du coup ça sert l'entreprise même si c'est pas une formation purement directement sur son métier. Donc il faut savoir prendre l'ensemble du spectre en compte de pourquoi est-ce que je fais cette formation, mais ce qui est certain c'est qu'il faut toujours se poser cette question de pourquoi est-ce que je fais cette formation, qu'est-ce que ça va apporter en fin de compte à mon entreprise. Après, le nombre de personnes formées, je pense que ça dépend. Et autant il y a un enjeu d'être capable de former un maximum de collaborateurs au sein d'une année, autant ce n'est pas forcément tous dans le même circuit de formation. Je vois qu'on prend l'exemple de la prise de parole en public, Aline qui précisait. Je pense que ça, c'est important, c'est aussi de se dire en quoi est-ce que les outils digitaux peuvent nous apporter des choses, peuvent être utiles, et en quoi est-ce que ça va être important de plutôt utiliser des vrais humains ou des vraies interactions humaines. Si je prends la prise de parole en public, il y aura peut-être des contenus super intéressants sur quelles sont des bonnes méthodes pour faire de la prise de parole en public,
mais on sait que ce qui va aider le plus cette compétence, finalement, c'est de se jeter à l'eau et c'est de le faire. Donc là, clairement, l'outil digital va être nécessaire, mais pas suffisant. On sait que le partage en sous-groupe ensuite pour réfléchir sur comment est-ce que je pourrais m'améliorer, etc., sera super pertinent. Donc, je pense qu'il y a des espèces d'imbrications et d'équilibres à trouver entre les outils digitaux, à quoi ils servent et à quels besoins ils répondent dans cette grande formation. Et ensuite, dans quelle mesure je dois passer à l'action dans mon quotidien, dans quelle mesure je dois échanger avec d'autres pour partager sur les bonnes méthodes, etc. Donc, c'est vraiment une histoire d'équilibre entre le digital, les interactions humaines et l'action. Très bien. On peut peut-être prendre une... Louis, tu voulais ajouter peut-être quelque chose ? Oui, pour résumer, se dire qu'est-ce que va faire la personne pour qu'elle apprenne. On n'a pas besoin d'expliquer la technique. Dites-vous juste quelles sont l'une ou les trois actions que vous voulez que la personne fasse tout de suite pour créer un quick win, pour qu'elle sente qu'elle réussit. Très bien. Est-ce que vous avez le temps de prendre une dernière question, une ultime question ? J'ai dans le fil repéré une question liée en fait au développement des formations via smartphone. Une suggestion de Mehdi qui se demandait si de développer en fait des modules plus axés en smartphone permettrait justement de garder les participants plus concentrés ou d'avoir moins de ruptures pendant la formation avec des gens qui iraient voir leur smartphone pendant la formation. Donc, le fait de tout mettre sur le smartphone pour essayer de garder les gens 100% mobilisés ou concentrés sur la formation. Je ne sais pas si c'est un petit peu l'idée que souhaite transmettre Mehdi, mais est-ce que vous avez un regard, un retour d'expérience ou une suggestion par rapport à l'utilisation des smartphones dans la formation ? Je peux réagir, c'est quelque chose que je vois de plus en plus en fait chez des startups du Lab RH qui vont inclure effectivement le dispositif du smartphone au cours de formation. Alors, c'est pas forcément mettre tout le contenu de la formation sur un smartphone, hein. C'est créer des interactions qui se font via le smartphone aussi, exactement dans la logique que vous avez dit, hein, Mehdi, de dire en fait, du coup, mon smartphone, plutôt que de demander aux gens de l'éteindre ou de le mettre à côté, bah, je l'ai fait utiliser le smartphone pendant la formation, mais le smartphone est dédié à la formation et du coup, la tentation de faire autre chose est moindre puisqu'il faut à la fois que je sois dessus. J'ai une startup, par exemple, du Lab RH en tête qui s'appelle la WeBox qui fait exactement ça, où dans leur formation, en fait, ils jonglent tout le temps, un coup on est sur l'ordinateur et un coup on est sur une appli dédiée où on interagit quand même avec les autres. Et du coup, le smartphone est intégré à la formation. Après, il y a aussi de plus en plus des solutions de mobile learning, c'est-à-dire où toute la formation va être sur le smartphone, mais ça c'est encore différent et souvent ça sert plutôt une logique de pratique et de facilité d'usage, de dire bah tiens, je peux me former par exemple dans les transports puisque j'ai mon contenu de formation sur mon smartphone. Et là on voit pas mal de startups comme ce qu'on appelle du micro-learning, c'est-à-dire je vais faire des capsules de learning très très courtes, de 15 minutes par exemple, que je peux faire dans les transports et en fait c'est au cours du coup de ma semaine, j'aurais fait 5 fois 15 minutes et en fait mine de rien j'aurais pu me former sur tout un contenu. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. J'aime bien en général nuancer un petit peu les choses. Je suis tout à fait d'accord et positif quant aux effets du smartphone dans le deuxième cas dont Clément parlait, c'est-à-dire au long cours, en dehors potentiellement des sessions de formation. Parce que là, ça a un double impact. Ça peut, si la personne doit switcher d'un ordinateur à un téléphone et tout pendant la situation de formation, alors déjà on perd du temps techniquement, il y a toujours des problèmes, ça arrive souvent. Deux, il peut y avoir une surcharge mentale pour l'apprenant qui doit déjà se concentrer sur le contenu, ce qui se passe, etc. Donc ça peut rajouter de la problématique. Et trois, le problème, ça va être au niveau du formateur, parce qu'en général, les formateurs sont pas habitués. C'est un nouveau paradigme en fait. Et quand on est formateur et qu'on voit la moitié ou 60 ou 80% des personnes qui sont devant soi sur son mobile, c'est très difficile. C'est comme disait Clément tout à l'heure, on ne sait pas si vous êtes là à nous écouter ou pas, quoi. Et dans une formation, ça peut être assez déstabilisant pour le formateur. Et souvent, en général, en termes d'ingénierie pédagogique, c'est pas hyper bien pensé. Donc, je pense que avant d'arriver à ça de manière que ce soit vraiment performant, il y a aussi tout un changement de paradigme à faire aussi au niveau
de l'ingénierie de formation en interne, si c'est vous qui créez vos contenus, et dans la formation des formateurs. De ne pas oublier ça, de ne pas penser juste à l'apprenant, parce que sinon, ça va tomber à l'eau. Voilà. Et c'est à 100% d'accord, Raphaël, avec former les formateurs. Et, c'est un enjeu dont je parle souvent, qu'on n'avait pas eu le temps d'évoquer là. Mais bien évidemment, ce genre de dispositif, il est valable et pertinent que si... les formateurs qui le dispensent sont habitués à l'utiliser. Bon, merci à tous. Je pense qu'on approche du coup de la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Adèle pour l'animation, Louis pour l'introduction et puis chacun des participants pour vos participations. Merci pour toutes vos questions sur le chat. C'était un plaisir d'y répondre. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je pense que je peux parler au nom de tout le monde en disant de ne pas hésiter à nous contacter sur les réseaux sociaux ou directement pour ceux qui ont donné leurs coordonnées comme moi-même dans le chat. Moi, vous pouvez me contacter par mail. On sera ravis de poursuivre la discussion et de vous donner plus d'infos. Tous ceux qui m'ont ajouté sur LinkedIn pour ouais, des experts femmes, c'est vrai, très bonne remarque Aline, on était sur un webinaire entièrement masculin, alors j'espère qu'on a compensé avec les participantes. Effectivement, on essaiera de faire attention à ça pour les prochaines fois. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée.